Bon, nouvelle journée, nouvelle vidéo pour faire une nouvelle propagande. Alors, vous permettez d'abord, on va mettre le bonnet parce que vas-y, les contours sont pas présents et c'est vilain. Et ensuite, la propagande. Les trois bandes, c'est important. Peace. Bon, je dis les trois bandes, mais j'ai pas eu la NMDS1. C'est pas grave, il y a bientôt mon anniversaire, les potes, ils vont m'acheter la paire très bientôt. Très bientôt. Bref, on envoie. Bonjour à tous et bonjour à tous ceux qui vont regarder la vidéo. Nouvelle vidéo aujourd'hui, donc on est toujours dans des petits coups de gueule en ce moment. Alors on a fait les deux dernières, la 11 et la 12. La 11 était sur les hypes non mérités, la 12 sur les hypes mérités. Là on a carrément quitté le thème, on va aller sur les paires qui auraient dû sortir et qui en fait nous mettent des carottes depuis des mois parce que depuis des mois on les attend. Et depuis des mois il n'y a aucune sortie, aucune présence, rien, nada, walou. Bon après là on va un petit peu parler babillonné comme on dit. La première auquel je pense dans le thème, bah c'est quand même la Sakai, la Cream White. Celle-là, si je me souviens bien, elle avait été annoncée pour juin, décalée pour juillet, juillet décalée pour août, août décalée pour septembre, septembre décalée pour octobre, et oh, on apprend quoi? Même pas, elle devait même pas être décalée pour octobre. Ils avaient dit septembre, elle sort. Fin de mois septembre, elle sort sûr. Là, on apprend quoi? La paire, elle devrait sortir pour le 23 novembre. Alors déjà, comme j'ai dit vis-à-vis des Sakai, je trouve qu'on commence à dénaturer un peu le modèle. Donc comme je l'ai vu dans certains tweets, si je les retrouve, je les mets. Mais comment vous dire? Bah la Sakai au pire la sortez pas, hein. On la verra jamais, donc la sortez plus, c'est pas très très grave. Enfin moi ça me touche une sans faire bouger l'autre. Je sais qu'il y en a d'autres qui attendaient la paire, mais là j'avoue, on va jamais la voir les gars. Je vous assure, on va jamais la voir. Et vous savez quoi au pire? Eh, ceux qui veulent la voir, vous l'aurez pas. C'est comme ça, le monde est méchant les amis. Eh oui. Ouais ouais, le monde est méchant. Le monde est méchant. On a aussi les Jean-Paul Gaultier, Sakai Jean-Paul Gaultier, toujours. J'ai vu des mecs sur Twitter qui avaient réussi à l'avoir. Je sais pas comment vous avez fait les gars, mais bravo. Bien joué à vous. Peut-être que vous avez eu par plug UK ou par plug américain. Dans tous les cas, bien joué à vous. Mais par contre, c'est vrai que la paire, elle a pas été annoncée pour le moment et c'est chelou. Je commence à me demander si côté Sakai, il n'y a pas quelque chose qui déconne. Bon après, je sais pas ce que Madame Shitose Abe fait. Peut-être qu'elle a aussi des plans de son côté. Faut rappeler que c'est quand même la directrice artistique de chez Jean-Paul Gaultier, donc elle doit avoir pas mal de taf. Ceci dit, elle gère sa caille d'une main de fer, donc normalement elle devrait pouvoir réussir à faire le tout en même temps. En tout cas, pour les Sakai Jean-Paul Gaultier ainsi que la Sakai White Cream, j'aimerais bien qu'on ait une date fixe et savoir quand est-ce que potentiellement ça va sortir. Dans les autres qu'on attend et qui ont... Et par contre là, c'est une vraie carotte, comme la Sakai qui avait une date et puis bref. La Cloud White, Adidas, Yeezy. On se dit quoi les gars? Pour vous remémorer un petit peu l'historique, la Cloud White elle est annoncée en janvier. Janvier, ils font un gros tableau Yeezy avec toutes les sorties prévues à tel mois, etc. etc. La Cloud White sort en mars, a priori mars, j'espère que j'ai pas de bêtises, mais a priori c'était mars. Parce que de tête, je sais que moi je les cope, mais je les cope sur Vinted, donc je l'ai pas eu sur le coup. Et c'était déjà annoncé pour septembre. Septembre, on est quasiment à la fin du mois, il y a toujours pas de date qui a été annoncée, pas de restock annoncé. Alors peut-être qu'entre temps, aujourd'hui, vu qu'on tourne la vidéo le 23 septembre, il reste potentiellement allez, 7 jours pour que ça sorte. Peut-être qu'on va avoir la chance de la revoir, mais j'ai du mal à y croire. 7 jours pour annoncer une sortie, alors ce serait une sortie surprise ou peut-être en accès exclusif. Dans tous les cas, manque de communication, il faudrait peut-être faire un petit truc là, côté Yeezy. Oui, je blâmerais pas Adidas, clairement pas. J'ai dit je ferais la propagande aujourd'hui, je blâme Yeezy, pas Adidas. Vous n'êtes pas d'accord, c'est pareil. Est-ce que je manque d'objectivité? Totalement. Les gens n'assument totalement les conséquences et c'est pas grave. En tout cas, pour venir à ce que je disais, c'est vrai que je me demande si, par exemple, cette même petite douille va pas arriver potentiellement à la Chrome Runners Vermilion ou Red October, qui est censé sortir, comme le dit dans son prénom, en octobre. Même si je suis pas trop sûr que ça y a directement un lien. Bref, la Yeezy Foam Runner Vermilion, je ne sais pas si elle va réellement sortir en octobre. À voir, on va suivre ça calmement. D'ici là, pour l'instant, ça reste très très compliqué. On a aussi les Air Max Para. Les Air Max Para qui ont été annoncés ou teasés à base de samples en juillet ou août. Juillet, il me semble, qui ont été bien amenés. On a eu pas mal de photos, pas mal de gens qui disaient que c'était des fausses. D'autres qui disaient que c'était une custom. D'autres qui disaient que c'était un sample. Dans tous les cas, si c'est réellement une sample, et qu'il y a un prototype ou un truc derrière qui va sortir,
On n'a toujours pas de date, ce qui semble logique. Mais j'espère qu'on en verra une très très prochainement parce que la paire, elle fait archi plaisir. Que ça soit la orange et celle qui est en bleu, je crois que celle qui est en bleu, elle s'appelle la quoi. À vérifier. De toute façon, je confirmerai dans la vidéo. Mais en tout cas, j'espère vraiment qu'on verra celle-là parce que parmi les paires qu'on a attendues, je ne reparlerai pas bien évidemment des G-Rose parce que celle-là, je pense qu'on les verra 2022. Il y en a d'autres qui ont été annoncées, peut-être qu'on les verra 2022, genre les Air Max Travis. Pour l'instant, c'est encore un peu fou. Mais sur celle-là, j'avoue que Air Max, j'espère vraiment qu'on va les voir parce qu'elles sont intéressantes. Même si moi, je suis pas trop Nike et je suis encore moins Air Max parce que j'en ai jamais porté. Pour le coup, la Air Max orange, elle est vraiment sympathique. Je trouve que les vagues, elles reviennent bien. Elles font un bel effet sur la paire. Un petit truc qui change. Il y en a qui aimeront, d'autres qui aimeront pas. Comparé aux autres, je trouve qu'elle est bien. Elle est bien belle. Sachant que, encore une fois, j'ai parlé des paires et je n'ai même pas donné mon avis. Mais dans les trois paires que j'ai citées qui vont nous mettre une carotte. Bon, la Cloud White, il y en a déjà, donc c'est pas grave. La Sakai, je vous ai dit, c'est pas trop mon délire. La Jean-Paul Gaultier, encore moins. Mais je conçois qu'elle convienne à d'autres personnes. Mais vraiment, par contre, la para, il y a un truc. Pour les fans des Air Max, je pense que ça doit être vraiment le truc qu'ils attendent en ce moment. Enfin, pour la dernière paire, j'ai quand même un petit doute sur celle-là et vous allez me dire aussi ce que vous en pensez. Mais la Air Jordan 2. Alors déjà que la Air Jordan 2, qu'on fasse un léger débat parallèle. Pas ce genre de débat parallèle. Ah, tu l'as vu la nana? Ouais, je l'ai vu. Attends, tu fais venir une nana du Brésil. Putain, non, bah attends, c'est, effectivement, c'est très con. Et... Je m'attendais à ce que ce soit moyen, ouais. Avion de chasse intersidéral. Quoi. T'es vachement déçu. C'est de la deuxième division, ça. Non, ah, mais ouais. Franchement, le mec, il peut avoir tout ce qu'il veut. Il a pris une Ligue 2. Non, mais vous êtes tarés, les mecs. C'est une Ligue à avoir dans le débat. Est-ce qu'on peut faire un débat parallèle? Mais sur la paire. La paire, moi, j'avoue, j'ai jamais porté une Air Jordan 2. Même les sneakers N ou les sneakers Adidas qui parlent d'Air Jordan 2, eux-mêmes, ils calculent pas trop la paire. Soit la paire, elle va sortir à l'Air Jordan 2 avec Off-White. J'avoue que j'ai mis un doute sur le fait qu'elle va réellement sortir cette année. Peut-être que je me trompe. J'espère pour ceux qui veulent la porter parce que je sais que j'ai vu 2-3 personnes sur Twitter ou même mon ami Jordan qui aimerait porter la paire. J'espère que la paire va réellement sortir à la date prévue, mais je vous avoue que j'ai mis un gros doute pour celle-là aussi. J'ai bien peur qu'on la voit réellement arriver en 2022, tout comme l'Air Jordan Canary qu'on n'a jamais vu cette année et pour laquelle je vais encore montrer de la colère. Parce que l'Air Jordan 2 Canary Off-White, sacré bijou, et on ne l'a pas vu de toute l'année. Alors, à la limite, qu'ils nous disent qu'ils vont la sortir que pour les USA, ça fout la rage, mais on sait qu'elle sort. Donc après, on peut essayer de péter au ricel avec ceux qui sont les plus riches d'entre nous. Comme la University Gold, la F1 University Gold qui est sortie. Mais, pour la Air Jordan 1 Canary, elle est quand même marquée dans le cahier d'Off-White, dans le cahier de Virgil Abloh, dans le cahier d'Off-White, vous m'avez compris. Et elle est quand même mentionnée comme ayant été créée, il y a eu un sample, elle devrait sortir, etc. Donc si elle sort pas, j'avoue, histoire bizarre, histoire louche. Moi, ça fait partie des paires où je me dis potentiellement j'aimerais quand même les voir parce que dans toutes celles dont j'ai parlé, l'Air Max Para, je me vois pas la cop, pourquoi pas. J'avoue qu'elle est belle, j'ai jamais eu d'Air Max, sans pas de jugement. Je vois du jugement. Et l'Air Jordan 1 Canary, j'en parle sans en parler parce que pour moi elle n'existera jamais. Donc bon, on verra bien. Bref, sur ce, l'équipe, je finis la vidéo là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'hab, pouce bleu, commentaire à fond, que ça soit sur Twitter, vous réagissez de plus en plus sur Twitter, ça fait plaisir. Sur Instagram aussi, dans mes DM ou sous la photo de la publication et ça fait plaisir aussi. En tout cas, laissez des commentaires de ouf ou venez, on en discute comme d'hab, comme je le dis et comme je le précise. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, cœur sur vous, bisous, ciao.